Merci, Monsieur le Président. Il faut rappeler que c'est Monsieur Raphaël Lemkin qui a forgé la qualification de génocide en s'appuyant notamment sur le cas de l'extermination des Arméniens. Je suis précisément une descendante des survivants de ce peuple génocidé, le peuple arménien d'Arménie occidentale. Le génocide des Arméniens qui a culminé de 1894 à 1923 par l'extermination de cette nation, par trois gouvernements turcs successifs, sous l'Empire ottoman, celui des jeunes turcs et celui de Mustafa Kemal, a fait 2 millions de victimes. Or, les programmes de massacres génocidaires se poursuivent aujourd'hui sur la population survivante, suivant la définition même établie par Raphaël Lemkin, par la soumission de cette nation à des conditions telles que sa disparition est programmée. Quelles sont les deux principales conditions de cette soumission provoquant un génocide sur les survivants? La négation du droit de retour des exilés sur leurs terres ancestrales, l'Arménie occidentale, sous occupation illégale en droit international par les forces armées turques depuis 1920, et l'oppression et la négation du droit à l'existence de la population autochtone survivante en Arménie occidentale. La Convention déclare la prescriptibilité du crime de génocide et les auteurs ont l'obligation d'assumer des réparations. Il faut pouvoir responsabiliser et poursuivre pénalement l'État en cause, quand bien même il ne se reconnaît pas auteur des crimes. Durant la conquête coloniale du Nouveau Monde, entre guillemets, des Amériques en 492, les conquistadors espagnols, âpres, durs et dominés par un appétit féroce pour l'or et l'argent, ont débarqué en terre et territoire des civilisations des Amériques et ont exterminé des millions d'Indiens. L'auteur de la destruction des Indes, le père dominicain Bartolomé de las Casas, a témoigné de l'assassinat de 12 millions d'âmes qui ont été étranglées, jetées au bûcher, exterminées par la tyrannie espagnole. De fait, les crimes de génocide n'ont jamais cessé et se poursuivent sur les survivants. Thank you, madame. Oui, the time is